Paga et Giuseppe Siurleo ont récemment surpris leurs fans en annonçant qu'ils allaient agrandir leur petite famille. Et oui, quelques mois après la naissance de leur adorable Georgia, la célèbre candidate de télé-réalité est enceinte de son deuxième enfant. Sur les réseaux sociaux, la future maman de deux enfants se confie régulièrement sur cette deuxième grossesse. Cependant, elle n'a pas encore répondu à la question à laquelle de nombreux fans se posent, à savoir quel est le sexe du bébé. Simple coïncidence ou vrai indice. Mais alors qu'elle vient de dévoiler deux nouvelles photos de sa grossesse sur son compte Instagram, un détail affole actuellement ses abonnés. En effet, Giuseppa a partagé des clichés de ventre arrondi. Alors qu'elle déguste un hamburger, la chérie de Paga a écrit en légende, grossesse ou trop de burgers. De quoi faire rire les internautes. Mais c'est un autre détail qui a retenu l'attention des plus curieux. Derrière la jeune femme, on peut voir un écran où apparaît le mot boy, soit garçon en anglais. Il n'en fallait pas plus pour que certains détectives en herbe de la toile y voient un indice sur le sexe du bébé de la jeune femme. Preuve en est avec ces quelques commentaires partagés sous sa publication, petit garçon peut-être, regardez l'indice à l'écran. Boy est derrière sur l'écran. C'est un indice? C'est un garçon cette fois-ci, regardez l'écran. Un petit frère en route. Mais avant que la toile ne s'enflamme, de nombreux internautes ont fait remarquer qu'il ne s'agissait pas d'un indice, mais tout simplement du nom d'une série, Toy Boy, qui est diffusée sur Netflix. Une abonnée de la jeune femme a toutefois répondu, oui mais comme par hasard effectivement mis en pause à ce moment etc. Si est-ce peut-être un indice. Alors, simple hasard ou réel indice? Pour le moment, la maman de la petite Georgia n'en a pas précisé davantage. Giuseppa Siurleo, Paga et leur fille Georgia @Instagram c'était purement un choix. Giuseppa a vu sa deuxième grossesse faire l'objet de quelques commentaires négatifs. En effet, certains internautes ont violemment critiqué ces deux grossesses rapprochées. Mais très vite, la chérie de Paga est montée au créneau afin de répondre à ses détracteurs. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. C'était purement un choix et entièrement voulu des deux côtés, a-t-elle lâché dans un premier temps. Et de poursuivre, on voulait deux enfants rapprochés par nos expériences personnelles. Paga est fils unique et moi j'ai 5 ans d'écart avec mon frère et si est beaucoup pour être complice dès le plus jeune âge, de mon humble avis. Vous l'aurez compris, les deux tourtereaux ont fait le choix d'agrandir rapidement leur petite famille, et ils semblent être particulièrement heureux. Quant à savoir si Georgia aura une petite sœur ou un petit frère, il faudra encore patienter un peu pour le découvrir. Just me.